Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, un tout nouveau rituel. Donc ce rituel, c'est mets ça sous ton lit, fais qu'il, elle vienne à toi d'un amour vrai. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudra pour ce rituel? Il nous faudra, donc j'ai pris la petite assiette, voilà. Il nous faudra un morceau de papier. Il nous faudra un bic. Voilà. Hop. Il nous faudra également une bougie. Il nous faudra de la cannelle. Et il nous faudra de l'huile. L'huile d'olive, l'huile de tournesol, c'est très bien. Et aussi un fil rouge. Et je voulais vous dire que j'allais éternuer, c'est fait. Alors, n'oubliez pas que si vous voulez des rituels personnalisés, n'hésitez pas à me contacter soit à cet email, soit sur ce WhatsApp. Si vous n'avez pas WhatsApp, installez-le, parce que sinon je ne peux pas vous aider. Donc, vous m'envoyez un petit message et ensuite je vous dirai ce dont vous avez besoin comme rituel et je les ferai pour vous, donc si vous les commandez. Alors, n'oubliez pas également que vous pouvez retrouver mes livres qui sont sur Amazon, vous tapez Faraké et vous verrez tous les livres. Ou sinon, sous la vidéo, dans la description. Donc, dans la description, sous la vidéo, pardon. Donc, comment sortir une relation toxique en 21 jours et le éviter de replonger. Hop, on fait ça là. Il y a comment devenir une femme fatale en 21 jours et le rendre fou, amoureux. Super, ce sont des formations en livre. Hein. C'est comme si je vous coach. Il y a aussi la formation de la loi de l'attraction. Et on a aussi donc les trois livres de rituels d'amour, voilà, avec des images, enfin je vous explique tout, ce sont des rituels exclusifs que vous ne trouverez pas sur YouTube. Alors, on va démarrer. En première chose, vous allez prendre le papier et vous allez écrire, alors, voilà, comme ça, je pense. Voilà, vous allez écrire votre nom et votre prénom. Ici, voilà. Donc, nom et prénom. Et vous allez dessiner en dessous un cercle. Ensuite, vous repassez sur le cercle une deuxième fois. Et vous repassez sur le cercle une troisième fois. Alors, je vous montre. Donc, vous voyez, j'ai passé une fois. On repasse une deuxième fois. Et on repasse une troisième fois. Comme ceci. Ensuite, on va prendre, alors, une petite goutte. Bon, ça ne va pas être évident. Et on va le mettre dans le cercle. Petite goutte d'huile. Voilà. Bon, là, ça va pas être, ça a été un peu plus qu'une petite goutte, mais... Alors, je vais vous montrer ça. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Là. Je ne sais pas si ça va se voir sans que l'huile... Ouais, bon, l'huile va tomber, mais je vous montre comme ça. Vous voyez? L'huile comme ceci. Alors, ensuite, vous allez mettre vos mains au-dessus et dire, je veux donc qu'il, si c'est un homme, ou qu'elle, si c'est une femme, vienne à moi d'un amour vrai. Vous répétez à nouveau, je veux qu'il ou elle vienne à moi d'un amour vrai. Encore une fois, je veux qu'il ou elle vienne à moi d'un amour vrai. Ensuite, vous allez prendre la cannelle et vous allez mettre la cannelle dans le rond également. Donc là, la cannelle, en fait, la cannelle, c'est pour vraiment aussi amadouer. Pour vraiment faire en sorte qu'il y ait... voilà, la cannelle, c'est connu pour être pour amadouer. Tout dépend avec quels ingrédients on le mélange avec, et de quelle manière c'est fait. Alors ensuite, normalement, l'huile, vous voyez, bon, là, j'en ai mis trop. Mais ça doit pas... Ça juste une petite goutte sur le, dans le rond. Mais si vous avez comme moi, que c'est tombé, c'est pas grave. Jusque maintenant, il va falloir alors rouler le papier
Là, évidemment, je vais avoir quand même de l'huile. Voilà, roulez le papier. Vous allez prendre le fil rouge. Je ne vais pas le faire parce que le papier est rempli d'huile. Et vous allez entourer donc le papier trois fois, d'accord? Donc prenez le fil, vous entourez trois fois. Ensuite, vous faites un nœud. Et ce nœud ne va pas compter comme nœud parce que ça ne va pas faire tenir le papier. Donc vous le faites le premier nœud, ça ne compte pas. Un deuxième nœud, donc ça ferait le premier nœud. Puis un troisième nœud, ce qui serait au deuxième nœud. Et un quatrième nœud, ce qui ferait quatre nœuds. Mais en fait, en réalité, le premier nœud, il ne compte pas. Donc, c'est trois nœuds après le premier qui ne compte pas. C'est pour ça que je dis qu'il y en aura quatre. Mais si jamais vous ne comprenez pas, si je n'ai pas été claire, vous me le dites. Alors ensuite, comme il y a de l'huile, et surtout s'il y a beaucoup d'huile, vous pouvez le mettre dans un petit sachet plastique ou dans du film ou dans du papier aluminium. C'est pas interdit, ça change rien. Et donc, vous le mettez dans du papier aluminium ou du film plastique. Si jamais vous ne l'avez pas fait, qu'il n'y a pas trop d'huile ou que vous ne voulez pas tacher vos draps. Hein, donc, quand c'est emballé, vous allez mettre vos mains au-dessus du papier et donc vous allez à nouveau dire trois fois « Je veux qu'il ou elle vienne à moi d'un amour vrai. » On le dit encore une fois « Je veux qu'il, elle vienne à moi d'un amour vrai. » On le répète encore « Je veux qu'il, elle vienne à moi d'un amour vrai. » À ce moment-là, on va allumer la bougie. Et cette bougie, elle doit être... Donc, vous pouvez prendre des petites bougies chauffe-plat ou des petites comme ça, bon, qui durent quand même un peu plus longtemps. Si vous avez une grosse, ça va être un peu... mais bon, vous pouvez le faire avec une grosse bougie. Hein. Mais vous allez laisser ça. Donc, vous allez prendre le papier et le mettre sous votre oreiller. Et la bougie, vous allez la mettre, par exemple, sur la table de nuit ou en tout cas, près de votre oreiller, sans vous brûler. Hein. Ne mettez pas la bougie sur votre lit. Hein. C'est sur un meuble à côté. Ou si vous avez un matelas, vous dormez à terre, c'est à côté. Si vous n'avez pas de table de chevet ou table de nuit, bah, vous mettez en tout cas à côté, mais pas évidemment trop près du lit pour pas brûler, quoi. Et quand la bougie est terminée, donc vous restez, ça dépendra de la bougie, il faut la laisser se consumer. Le lendemain, donc vous gardez le papier. Vous devez laisser trois nuits ce papier. Après trois nuits, vous sortez et vous le jetez où il y a de la terre. Pas l'enterrer, hein, vous le jetez où il y a de la terre. Alors, n'oubliez pas, j'espère que vous aurez aimé. Abonnez-vous, likez, faites-moi des commentaires, partagez. Et n'hésitez pas à me commander si vous voulez des rituels personnalisés, si vous voulez commander des rituels personnalisés. Et on se retrouve pour un prochain rituel.